L'équipe gestion des risques de la MACSF est une équipe composée d'un médecin, d'un cadre de santé et d'un juriste. Cette composition pluridisciplinaire permet de proposer une approche globale de prévention. L'une des principales activités du service gestion des risques est l'analyse du risque médico-juridique de différentes professions médicales et chirurgicales. Actuellement, nous analysons et suivons le risque de 13 professions, comme par exemple les cardiologues, les chirurgiens esthétiques et plastiques, les rhumatologues ou encore les ORL. Il s'agit ici d'analyser la sinistralité de professions de santé à partir de l'étude de l'ensemble des dossiers de sinistres RCP ouverts auprès de la MACSF dans un laps de temps déterminé. Pour ce faire, nous réalisons une analyse des données médicales du dossier. Seront identifiés l'acte médical ou chirurgical en cause, le segment du corps concerné ou encore l'événement indésirable rencontré. Et une analyse des données juridiques des dossiers avec le type de procédure ou encore les fautes reprochées. Sont également identifiés les modes et lieux d'exercice de nos sociétaires. L'objectif poursuivi ici est de dégager des tendances statistiques permettant une meilleure appréhension du risque lié à l'exercice d'une profession. Les résultats sont ensuite communiqués aux professions concernées. En ce sens, sont identifiés les différents événements indésirables qui se sont produits et ont conduit aux réclamations de patients. Les événements indésirables correspondent aux événements inattendus qui perturbent ou retardent le processus de soins ou impactent directement la santé des patients. Il s'agit par exemple d'erreurs de diagnostic, d'infections associées aux soins, de retards de cicatrisation ou encore de conflits relationnels. Parmi les événements indésirables identifiés, certains peuvent être qualifiés d'évitables, comme par exemple l'erreur de côté ou de localisation ou encore les oublis de corps étrangers. Il s'agit d'événements qui ne se seraient pas produits si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante au moment de la survenue de l'événement indésirable grave. Les anglo-saxons emploient le terme de « never events », car ces événements ne devraient jamais se produire. Il existe des barrières de prévention visant à diminuer la probabilité de survenue de ces événements indésirables graves. Notre équipe se tient à la disposition de nos sociétaires pour les accompagner dans l'identification et la mise en place de ces actions de prévention.